Bienvenue à tous. Merci d'être présent ce soir. Bon, je sais que le mois de mai, c'est un mois un petit peu difficile. Pour les autres aussi, hein, mais surtout pour les étudiants. Donc, il y a quelques-uns qui... Je suis ravi de les voir. Alors, pour combien si j'ose dire? Tu sais, Gilles? 15e saison du Forum Santé-Société. On a l'immense plaisir d'accueillir des invités qui viennent de loin, hein, qui sont venus pour nous. Alors on a choisi d'aborder un thème qui est un petit peu atypique par rapport au forum habituel. On a trouvé qu'il fallait absolument parler de ces questions, hein, et parler des questions de crise au sens large. Alors on verra, on les laissera aussi éventuellement redéfinir ces questions de crise. Et puis je pense que dans le débat, on y reviendra aussi. Alors, il nous a semblé que pour parler des questions de crise, on avait envie de parler d'enfance aussi. Ça, je crois que depuis le début du forum, il n'a pas été question de ça et de la santé des enfants. Et pour parler de ça, il nous semblait qu'il y avait un pays à la fois très proche, très très proche, et peut-être très lointain aussi, mais bon, pour nous, pour certains ici, très proche en tout cas, qui était évidemment, je dirais presque qu'à l'école aujourd'hui, il n'y a évidemment pas d'éléments péjoratifs quand je dis ça, pour penser ces questions. Alors vous le savez, la Grèce a vécu d'abord une crise économique et politique majeure. Ça date pas d'hier, on en reparlera, mais ça fait quelques années maintenant que ça dure et que c'est difficile pour tous et plus pour certains encore, peut-être aussi pour les enfants. Et puis une nouvelle crise qui cette fois-ci s'est particulièrement développée cette année avec le fait que les réfugiés du Moyen-Orient passaient déjà depuis plusieurs années par la Grèce, mais cette fois-ci ils s'y sont trouvés bloqués. Hein ? Et la frontière macédonienne, qui est un point de quand même un petit peu de fixation aujourd'hui, c'est à combien? C'est à 90 km de Thessalonique. Voilà. Donc, Egli Brouskou et Grigori Sabazoglou nous viennent de Thessalonique, donc à deux pas de cette frontière dont il est beaucoup question dans l'actualité. Alors, ce n'est pas des spécialistes de la crise, ni de la crise économique, ni des spécialistes du politique, ni des spécialistes des réfugiés. Ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. Mais tous les deux, pour des raisons diverses et sur des modes divers, ils s'intéressent et ils travaillent depuis longtemps sur des questions liées à l'enfance. Egli Brouskou est professeur en anthropologie au Collège américain de Thessalonique et elle est anthropologue. Et elle a travaillé depuis longtemps sur les questions de parenté et sur les questions de circulation des enfants. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure, parce que c'est énigmatique, bien sûr, forcément, quand on dit ça comme ça. Grigoris Abazoglou est professeur de pédopsychiatrie à l'Université de Thessalonique. Il dirige le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Salonique, et il a fondé une association et une maison d'édition ensemble, non, hein, la maison d'édition, voilà. Alors je vais pas en dire beaucoup plus maintenant, je vais leur laisser la parole, et puis évidemment le but, ça sera aussi d'en débattre tous ensemble. Encore une fois, Egli, Grigoris, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, c'est à vous. Merci de votre accueil. Merci aussi, Laurent, d'avoir eu cette idée de se trouver avec vous ce soir. Je dirais qu'on ne se sent pas tellement loin ici quand on voit qu'on peut fumer devant l'interdiction de fumer. Ça, c'est la Grèce. Donc, on se sent en Grèce. L'interdiction de fumer désigne l'endroit où il faut fumer. Voilà. Donc, déjà, hein?
Donc, on va parler un peu de cette façon-là. On va continuer. je dirais deux mots d'introduction. Et on va se présenter peut-être un peu plus à partir de notre travail, de ce qu'on fait. Il y a, je pense, comment dire, un point commun dans le travail de Gly et notre travail en pédopsychiatrie, et ses recherches sur les enfants abandonnés, tout le travail qu'elle a fait sur la parenté, la circulation d'enfants, et aussi son travail sur les institutions qui accueillent des enfants en général. Et en Grèce, nous avons une très longue histoire avec ce type d'institutions. C'est un pays qui a connu, après la guerre civile, de tendances où on sauvait des enfants, les uns et les autres. Alors, on crée des institutions. L'État officiel crée des institutions pour sauver les enfants des mains des communistes, et les communistes créent des institutions, prenaient des enfants et créaient des institutions dans les pays de l'Est pour sauver les enfants des mains des nationalistes. Donc c'est un pays qui a une longue tradition de sauvetage des enfants. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Voilà. Donc, Gly a beaucoup travaillé là-dessus. Et moi, personnellement, et un groupe de collègues qui travaillent avec moi, nous avons beaucoup travaillé avec des institutions qui accueillent des enfants en crise familiale, disons, ou des enfants abandonnés, soit de bébés dans l'orphelinat, ou bébés, disons, de la ville de Salonique. La ville de Salonique a une histoire qui est encore actuelle, une institution qui date depuis un siècle, un peu plus. Hein? Je parle de ça. Ok, non, mais deux mots. qui existe toujours, avec laquelle on travaille sur un plan plus clinique, disons, et qui a fait sa recherche là-dedans. Donc, ces deux actions peuvent se croisent. Se croisent, oui. Donc ça, c'est une partie intéressante, je crois, dont on peut discuter. Et tout le reste qui a à faire avec les institutions pour enfants. Donc, je vais dire deux mots d'introduction sur le thème enfants et crise. On pourrait discuter longuement sur ce thème, enfants en crise, enfants et crise, enfants en crise, parents des enfants en crise, parents en crise, tout ce qui est du professionnel en crise, ce qui est très à la mode, on parle beaucoup de burn-out, de tout comme ça maintenant. Donc on pourrait continuer comme ça toute la soirée, je pense que ça nous servirait pas à grand-chose. On ajouterait peut-être quelques pages ou un chapitre entier à l'encyclopédie de la crise qui est en train de s'écrire en ce moment en Grèce. Le traité de la crise, en quelque sorte. Il y a beaucoup de discours sur la crise et on va parler aussi de ces discours-là. J'aimerais bien qu'on discute sur ce thème. Ce discours sur la crise, une espèce de, excusez-moi, du néologisme, de crisologie en quelque sorte, hein, risque de sévir en ce moment plus que la crise elle-même. Bon, tout ça, ce n'est pas pour nier la crise réelle, actuelle, que nous traversons en ce moment en Grèce, et tous ces aspects néfastes dans notre vie quotidienne, et toute l'angoisse qui traîne depuis 6 ans maintenant et qui augmente avec le temps, toute l'angoisse pour l'avenir. Est-ce qu'on va sortir un jour? Est-ce qu'on va s'en sortir?
Donc, deux mots sur la crise, la façon dont je vois la crise en Grèce. Donc, nous venons d'un pays qui traverse une crise profonde, dure, une crise qui paraît interminable et où on ne voit pas la sortie encore. Ça a commencé en prenant l'allure d'une crise purement économique. Ça paraissait lié à une crise économique mondiale où la Grèce était un peu le chaînon faible. Donc, au début, on a cru qu'il suffirait de faire un peu de patience, de se serrer un peu la ceinture pour s'en sortir. Ce n'était pas le cas. Ce qui paraissait aigu, en quelque sorte, au début, c'est devenu chronique. Et ça s'aggravait aussi. Donc, on ne peut plus imaginer les choses sur une courte durée. On a maintenant l'impression que la crise devient chronique, comme je dis, intraitable en quelque sorte, pour utiliser une métaphore médicale, comme les complications après une opération chirurgicale. Vous savez, l'histoire qui traîne après, des situations de santé qui s'aggravent, des infections qui se surajoutent, etc. Des situations où on court après sans pouvoir, tout en ayant un sentiment de ne rien pouvoir faire vraiment. Donc, cette crise devient, elle était à mon avis toujours, mais maintenant on a de plus en plus le sentiment qu'elle est une crise globale, qu'elle dévore en quelque sorte toute la société et tous les aspects, elle influence tous les aspects de la vie sociale. Voilà le climat actuel. Le point important, je crois, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Comment on pourrait parler de tout ça en évitant un discours de plainte, un discours de victime ou de discours très globalisant où la crise que nous traversons ne serait pas quelque chose qui nous appartient, serait quelque chose qui vient d'un monde en dehors de nous et donc où on ne peut rien faire, où on s'installe dans une passivité un peu agressive par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Voilà, donc on va pas beaucoup parler alors de la crise elle-même, sauf cette introduction. J'ai beaucoup d'autres notes, mais je ne vais pas parler de ça tout de suite, peut-être dans la discussion. Et on va essayer de parler un peu à partir de notre expérience, de notre travail, et peut-être ça, ce sera un autre discours pour la crise aussi. Montrer que quelque chose qui vient d'un travail. Vous savez, les Grecs ont en Europe en ce moment la réputation d'être des fainéants, c'est pas vrai. On travaille beaucoup. Ça, c'est pour être clair dès le début. On travaille beaucoup. Hein. Mais il faut le dire. Non, je peux le redire même. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Voilà, donc je te passe la parole. Parce que... OK. Merci. Bon, merci d'être là. Merci Laurent et merci Geneviève. Je m'adresse aussi à Geneviève parce qu'on a fait des études d'anthropologie ensemble, donc on a développé quelque chose qu'on appelait curiosité amicale vers des gens, je suppose. Donc vraiment, c'est une invitation qui nous fait plaisir tous les deux. Et c'est aussi une belle occasion de repenser à certaines choses qu'on a fait, moi du côté de la recherche, Grégory de la côté de son travail en tant que médecin.
Moi, j'aimerais présenter un exemple, l'exemple de ma recherche sur cet orphelinat à Thessalonique. Parce que je pense que c'est, et ça c'est quelque chose que je prouve tout le temps, c'était l'exemple qui me permet de penser. De penser vers le passé, de penser de la crise aujourd'hui, de penser aussi au futur, à l'avenir. Et je pense que c'est un outil, toutes les recherches qu'on fait sont des outils, ils nous aident à mieux comprendre le monde autour de nous. J'aimerais ajouter à tes propos, merci. Le deux sens du mot krisi, la crise, qui existe en grec, qui est la crise, comme que l'on comprend en français aussi, la crise. Donc peut-être une période pendant laquelle on n'a pas vraiment le moyen de penser qu'est-ce qui passe. On est coincé, on n'a plus de moyens de penser et d'explorer ou de réfléchir à ce qui nous arrive. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement dangereux pour une société, comme vous comprenez. L'autre sens du mot krisi en grec, c'est le sens de jugement. J'ai perdu mon jugement, par exemple. Echazatin krisi, je n'ai plus le moyen de penser. Donc c'est vraiment... Ce sont deux définitions qui se croisent. Le même mot a deux... Voilà. C'est pour ça que c'est utile d'apprendre le grec. Ou au moins quelques mots de grec. Ou d'inviter des grecs qui donnent des petits cours comme ça. Non, mais ça aide beaucoup. Alors, j'ai récemment publié un livre qui s'intitule « À cause de la crise, je vous donne ou je vous offre mon enfant ». Et il y a un sous-titre qui dit « La circulation des enfants dans la société grecque du XXe siècle, l'exemple de l'orphelinat de Thessalonique à Ioustylianos, c'est le Saint Stylianos ». Et ce titre... À cause de la crise, je vous offre mon enfant, provient d'un bout de papier qui était trouvé épinglé sur un bébé abandonné à Thessalonique en 1938. Une mère donc qui abandonne son enfant et laisse un petit mot à cause de la crise, je suis pauvre, je vous offre mon enfant, parce qu'elle a laissé son enfant au seuil d'une maison d'un couple sans enfant. Donc, elle savait de quoi s'agissait. Sauvez-le. J'ai choisi ce titre pour, disons, à cause de la résonance avec la crise d'aujourd'hui. Mais aussi pour afficher mon idée et peut-être ma conviction que la crise actuelle n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre. Ce n'est pas une crise qui est tombée du ciel comme ça sur une société innocente, heureuse, etc. C'est une crise qui nous accompagnait depuis toujours, elle était toujours là, et peut-être c'était un élément constitutif de notre société. Comme dans toutes les sociétés, j'imagine que les crises sont quelque part, et on choisit de ne pas le regarder, de ne pas le voir, de ne pas discuter, mais elles sont là. Donc une crise sous-jacente. Donc cette recherche dans l'orphelinat, si vous voulez d'abord une recherche de terrain, donc une recherche ethnologique, anthropologique, dans un établissement de protection de la petite enfance, ou autrement dit, un asile pour enfants abandonnés. Et c'était une recherche, c'était l'exemple choisi pour un thème plus global, qui était la circulation des enfants. Ça, c'est une notion anthropologique qui était
modelée, structurée en France dans les années 60, 80, je dirais. Donc, pour décrire peut-être les façons dont les enfants circulaient dans la société, partaient des mains de leurs géniteurs pour passer à d'autres parents sociaux, etc., ou à des établissements, ou les diverses façons dont les enfants circulaient. Il faut comprendre que le système de circulation font partie du système de la parenté, bien sûr. Ils ne sont pas vraiment des exceptions. Ils s'accordent avec le système de la parenté, bien qu'ils semblent des solutions de crise, mais quand même, ils se font selon des règles. Et aussi, ils sont très, très révélateurs de mentalité autour de la parenté et aussi les pratiques de la parenté ou les pratiques qui accompagnent la parenté, la parentalité aussi. Donc, on parle de l'abandon, on parle du fosterage, on parle de l'adoption ou de la protection institutionnelle. Au début, c'était une recherche de terrain, donc de la synchronie. Mais très vite, elle a évolué aussi vers le passé, parce que j'ai eu accès aux archives de l'établissement. Donc, c'était devenu une anthropologie historique ou une histoire anthropologique, selon l'angle. Ce qui m'a permis de comprendre ou de pouvoir, ou essayer de comprendre plutôt, le fonctionnement de cet établissement au cours du XXe siècle, la façon dont cet établissement a fait face aux crises dans la société hellénique pendant le XXe siècle. Et un des principaux outils de mon travail a été bien sûr le registre d'admission, qui est des données où on peut trouver des données sur les enfants qui ont passé par l'établissement, et on parle de 10 000 enfants, c'est quand même beaucoup. Donc les bébés internés, on connaissait leur date d'arrivée, sexe, âge, nom, parents connus ou inconnus, etc. Lieu d'origine des parents, et bien sûr mode de sortie ou leur sort, mort, adoption, retour aux parents, etc. Donc, c'est une base de données. J'ai travaillé tous ces matériaux sur une base de données à travers laquelle on peut faire des statistiques, des vérifications, on peut se poser des questions, on peut prendre des données, des estimations quantitatives, mais aussi qualitatives, parce que j'ai toujours l'impression que je fais du terrain dans ces archives. J'ai vraiment développé un mode, si vous voulez, de me sentir ethnologue dans ces archives. Et ça, c'est très intéressant, mais ce n'est pas pour le... OK. Ce qui m'a permis aussi de placer toutes ces données de l'asile dans leur contexte historique et social et politique, etc. Donc, de pouvoir analyser un peu pertinemment le développement du phénomène de la circulation des enfants et de comprendre que pour tous les cas, pour tous les bébés, les 10 000 bébés, l'établissement devait faire face à une crise individuelle, familiale, politique, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans ce registre d'admission, il y a toujours, comme tous les établissements font, les bébés internés sont catégorisés. Il y a une classification de la population qui arrive. Une classification qui dit enfant légitime, enfant illégitime, enfant exposé, aussi enfant réfugié, enfant orphelin. Et parfois, il y a des combinaisons. Donc, ces trois catégories représentent chacune un tiers de la population
un tiers de enfants légitimes, illégitimes et exposés. Je dirais que, bon, pour la plupart, et ça se passe dans tous les orphelinats pour bébés dans l'Europe, l'existence des enfants légitimes dans les asiles pour enfants abandonnés constitue toujours un problème. Et non pas un problème de comment gérer cette situation ou cette surpopulation, mais un problème idéologique. Qu'est-ce qui se passe avec ces familles qui abandonnent leurs enfants? Pourquoi? Donc ça représente, et apparemment les réponses sont, on parle de l'extrême pauvreté, on parle de la maladie, on parle de la mort des parents, on parle des failles des systèmes de solidarité familiale. C'est pour ça que ces établissements existent en fait. Dans le cas des enfants illégitimes, on parle de crises dans lesquelles se trouvent les mères-filles ou filles-mères. Filles-mères ou les deux. Les filles-mères. Dans toutes les sociétés européennes, et non seulement, ces femmes seules, parfois très jeunes, se trouvent dans cette situation de crise extrême, encore rejetées par leur famille, mais aussi par la société. Et ça, c'est vraiment une crise perpétuelle, ça existe toujours. Et on parle vraiment d'une crise aiguë, qui doit être résolue à un instant, des femmes qui doivent se débarrasser de ce bébé-là. Donc, et ce sont des crises que peut-être un orphelinat pour bébé essaye de faire face. Il y a un établissement, il y a un personnel, il y a une logique, il y a des... Mais finalement, ces établissements ne sont jamais à la hauteur de traiter ces problèmes proprement. Et je pense que Bigoris va nous parler de ça. Donc, le fait que dans le registre d'admission de cette institution, je puisse trouver les traces ou l'impact des crises syriennes du XXe siècle, ça m'a permis un peu de pouvoir parler de l'impact des crises sur l'enfance. Là-dedans, on peut trouver l'impact des guerres balkaniques dans les années 10. On peut trouver l'impact de la destruction, la catastrophe de l'hellénisme en Asie mineure. On peut voir l'arrivée des réfugiés grecs ou orthodoxes de la Turquie avec l'échange de population en 22 jusqu'à 26. Donne le numéro, c'est combien de... Et je vais donner le numéro, c'est un 1,5 million de réfugiés arrivés en Grèce dans quelques mois, à l'époque où la population de la Grèce n'était pas plus de 6,5 millions. Donc presque un quart de la population était ajoutée. Donc vous comprenez l'ampleur de la crise. Une crise qui, bien sûr, se reflète dans un établissement qui est déjà jusqu'au cou, plein jusqu'au cou. Où mettre les nouveau-nés des réfugiés? Des orphelins nouveau-nés, etc. Les mères qui mouraient devant la porte de l'orphelinat. Donc, vraiment, une crise qui a façonné énormément la Grèce moderne, comme on la connaît aujourd'hui. Et un tiers de la population de la Grèce d'aujourd'hui est issue de cette arrivée, de cet échange de population. Et ça, peut-être, on peut peut-être déchiffrer la réponse ou imaginer la réponse pour laquelle les Grecs d'aujourd'hui s'activisent ou... Accueille les réfugiés qui nous arrivent du Moyen-Orient. Je pense que le slogan, c'est « Nous aussi, nous étions des réfugiés ». Ça, c'est très, très important.
Alors, dans le même registre, on a des admissions pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec une mortalité qui va jusqu'au 80%. On a aussi la répercussion du départ des Juifs de la ville de Salonique, et le Shoah, donc la mort de 45 000 de Juifs de Salonique, dont quelques-uns ont essayé de laisser ou sauver leurs enfants en les exposant devant l'établissement, et donc des enfants qui étaient sauvés de cette manière-là. Il y a une semaine que j'ai pu, après une très longue recherche, parler à un de ces enfants qui se trouve maintenant au Canada, et c'était vraiment un moment super, très important pour moi. Alors, les répercussions de l'occupation allemande, de la Shoah, etc. Les répercussions aussi, l'impact de la guerre civile dans l'établissement. Nous avons des bébés qui arrivent dont les parents sont morts dans les combats, sont emprisonnés, sont exécutés. Des familles qui courent après la police pour sauver les enfants des mains de la police. Bon, tout ça est... Alors, cette période-là, la période de la fin de la guerre civile, qui est entre 1946 et 1949, est marquée aussi, et ça c'est très important, et ça c'est quelque chose que je voudrais tenir pour la discussion, de comprendre l'impact, l'importance de ce phénomène-là, parce que si on le compare avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est très important. Alors, c'est la période de la guerre civile, c'est la période pendant laquelle la Grèce reçoit de l'aide humanitaire, massivement, de l'aide humanitaire, spécialement de la part des États-Unis. Donc, un énorme plan de sauvetage de la Grèce qui sort de la guerre civile. Aussi une période pendant laquelle les services sociaux s'organisent. Et je dirais s'organisent sous la houlette des Américains. J'ai l'impression que là, je parle de quelque chose, c'est politique, c'est aussi très très important pour le devenir des services sociaux. Donc, les orphelinats, spécialement les orphelinats pour bébés, étaient extrêmement concernés par ça, puisque l'adoption des orphelins, sous ce slogan « Sauver le petit grec »,« Sauver les orphelins grecs », était considérée comme faisant partie de l'aide humanitaire. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, on connaît très bien. À chaque fois qu'il y a un pays qui reçoit de l'aide humanitaire, le pays, en quelque sorte, il y a un don qu'on reçoit et un don qu'on doit quand même réciproquer. Hein? Il faut réciproquer avec des enfants donnés en adoption. Ça existe. Hein? Vous ne savez pas? Non. Réciproquer. Réciproquer. Ah, mais je parle pas l'anglais aussi. Reciprocity, guys. Non. Ok. l'adoption des orphelins grecs par les Américains ou les Grecs américains était considérée comme faisant partie de l'aide humanitaire dans ce pays. Le principe et les pratiques de l'adoption internationale étaient pour la première fois formés pour le cas de la Grèce en 1947 et puis pour les orphelins allemands. Donc les deux gros, disons, groupes des enfants qui étaient sauvés, c'était les Grecs, les petits Grecs, et puis les orphelins allemands, et puis les orphelins de la Corée, et puis il y a une liste interminable.
Mais la première législation américaine pour l'immigration des mineurs non accompagnés, c'était pour le cas de la Grèce, pour faire face à cette crise. Alors, je dirais que l'imposition, parce que ça, bien sûr, a été, il fallait l'organiser sur place. Donc, il y avait une application, et on dirait une imposition, du modèle de l'adoption internationale dans la société grecque, au sein de la société grecque, qui a complètement déstabilisé le système local de la circulation des enfants. Comme c'est souvent le cas, on le sait maintenant. Qui a eu aussi des effets pervers ou des side effects, des effets pervers sur ceci. Le trafic illégal des enfants vers leurs parents adoptifs sans le consentement de leurs parents ou la fabrication des faux enfants exposés. Donc des enfants des parents connus étaient présentés aux instances américaines comme des enfants exposés. Donc des faux papiers, des faux certificats de mort parce qu'on les tuait d'abord et puis on le faisait sur en tant qu'enfant exposé, etc. Libre à être adopté. Donc un scandale énorme, une crise institutionnelle, une crise bien sûr politique aussi. Et une crise qui s'est installée dans la vie de ces enfants qui étaient donnés en adoption, mais aussi dans la vie des parents qui, à un moment donné, ou à partir d'un moment donné, ont compris que leurs enfants n'étaient pas morts et qui étaient circulés d'une façon complètement illégale. Malheureusement, ça, c'est quelque chose qui. Ce phénomène-là a tout à fait façonné, modelé les pratiques de l'adoption en Grèce pour la... C'est toujours chez nous, avec nous. Donc c'est une crise pour laquelle on ne parle pas et c'est seulement après les années 90 que les gens concernés, donc des enfants adoptifs ou les parents qui ont perdu les enfants comme ça, ont commencé à s'organiser, à parler publiquement et à exiger de la justice, tout simplement. On peut dire que le retour des enfants circulés illégalement constitue aussi une autre crise, une crise qui adresse les responsables, qui ne seront jamais jugés. Une crise qui adresse aussi ou qui vise les services sociaux, bien sûr, il n'y a plus de crédibilité, qui vise aussi l'État, et donc qui installe au sein de la société grecque, même aujourd'hui, donc au sein de la pleine crise, une autre crise qui dit que on n'est pour rien ici. Notre société est pourrie. Ok. Les historiens qui se sont penchés sur le même problème en Europe, le problème des enfants exposés, ils disaient que les enfants exposés qui vont un jour retourner en réclamant de la justice, en réclamant de leurs parents, de leurs géniteurs, constitue pour la société et même peut-être pour la République, en France par exemple, un danger dans l'avenir. À chaque fois que le système social prend en charge un enfant, il adopte le système... il s'engage dans une crise future. À un moment donné, ça va éclater et ça va être mal. Et ça va faire mal au système, etc. À la société aussi. Ce qui est intéressant, si on pense à
à la crise d'aujourd'hui par rapport à ces établissements de la protection de l'enfance. D'une manière très curieuse, on dirait qu'il n'y a pas une hausse de population de ces établissements. Bon, peut-être il y a des admissions, mais il n'y a pas vraiment une répercussion directe à ces services. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a des textes qu'on trouve dans les médias, qu'on peut lire non seulement dans les médias grecs, mais aussi dans les journaux français ou anglais, ou que décrivent une situation qui, je dirais, est un peu, comment dire, cauchemardesque. Cauchemardesque. Bon, d'accord. Il y a des descriptions de la crise et aussi, par conséquent, une définition de la crise, parce que quand tu définis, tu décris, tu définis aussi des effets de l'impact de la crise aujourd'hui sur les enfants et les services sociaux. Il y a des descriptions excessives, je vais vous lire quelques-unes, dans les médias, et je dirais une dramatisation accrue. Par exemple, on peut lire les écoliers grecs s'évanouissent de faim sur le banc de l'école. Cette même description peut devenir, quelques jours après, les écoliers grecs meurent sur le banc des écoles. Les Grecs d'aujourd'hui abandonnent de plus en plus leurs enfants faute de pouvoir les nourrir. Bien que dans les établissements, il n'y a pas vraiment des admissions des enfants. Permettez-moi de vous lire, ça c'est quelque chose publié dans le courrier international. Grèce, les orphelins de la crise. Il n'y a pas des orphelins, il n'y a pas raison d'avoir des orphelins, il n'y a pas la guerre. Okay. Selon les services sociaux, les cas d'abandon d'enfants que les familles ne peuvent plus nourrir se sont multipliés les derniers mois. Un soir, Anna était encore à l'école, sa mère n'est pas venue la chercher. On a trouvé une petite note dans sa poche, comme la note « À cause de la crise, je vous offre mon enfant ». La personne qui raconte cette histoire m'en parle comme un cas quotidien, dit la journaliste. Dans cette situation, que pensez-vous que l'école puisse faire? Ils ont appelé le juge pour enfants et ce dernier nous l'a envoyé. Cette jeune femme qui a perdu son travail a paniqué. Il y en aurait des centaines comme elle aujourd'hui en Grèce. Il y a pas, ça, on ne voit pas dans les institutions. Les parents tombés dans une impasse économique et qui ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants, etc., etc. Il y a des centaines de textes comme ça. On se demande pourquoi. Vive préoccupation pour les enfants grecs. En Grèce, la situation est particulièrement dramatique. Le rapport se fait l'écho à ce sujet des observations du comité de l'ONU sur les droits de l'enfant. Vive préoccupation concernant le droit à la vie, à la survie, à l'épanouissement des enfants et des adolescents dont les familles perdent rapidement leurs revenus et leur accès aux services sociaux, etc. Donc, on a vraiment, en lisant tout ça et en faisant de l'autre côté un peu de recherche sur place, on se rend compte très vite que quand même il y a deux réalités, une écrite et une autre du quotidien, qui est, je dirais, au moins problématique. Si on cherche un peu plus, on voit qu'il y a quand même un effort de la part des NGO, de la part des fondations pour la protection de l'enfance, qui structure des discours pareils. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle Grigoris va développer un peu plus. Je pense que le problème majeur, à mes yeux, c'est que ces propos-là
Et ce discours-là, ce discours public, crée un problème supplémentaire. Et c'est le problème qui, de ne plus pouvoir penser. Donc je reviens encore à ma définition de la crise. On ne peut plus penser à ce qu'on fait, à ce qu'on doit faire. Vraiment, ce sont des propos et des discours paralysants pour les parents, pour les citoyens, pour le personnel de ces établissements. Et je crois que c'est ça, c'est le nœud du problème, ça se pose là, en ce moment. Merci. Comment on fait ? Alors, plusieurs petites choses. D'abord, merci, merci infiniment. Ça fait que commencer, hein, parce que vous avez compris, le but de tout ça, c'est de parler, de discuter. Vous êtes peut-être surpris de la tonalité que prend ce début de soirée, et moi j'en suis très heureux, parce que si vous pensiez que les Grecs étaient portés sur la plainte, sur la victimisation, sur la dénonciation de la responsabilité extérieure, peut-être les Grecs, mais en tout cas pas ceux-là, visiblement. Hein ? Et je vous remercie, Egli et Grégoris, de cette entrée en discussion à partir de de vos propos, et je dirais aussi de votre duo. Hein ? Et je vous remercie aussi pour le français, quoi qu'il n'y a pas à le faire, parce que vous le maîtrisez tellement bien qu'il n'y a pas de difficulté. Je crois que je dois dire qu'en fait, on a décidé de cette soirée, on n'en savait pas encore la date, on a dit cette soirée il y a plusieurs mois, hein, cet été, lors d'un... Quand nous, on était en Grèce, et que on vivait une petite crise, nous, hein, existentielle ou sanitaire, qui m'avait conduit aussi à visiter les urgences hospitalières de Thessalonique. Voilà, et on s'est mis à parler de crise. Voilà, c'était une toute petite crise. Hein. Alors moi, ce que ça m'inspire, tout ça, quand même, c'est... Alors je vais faire une deuxième association de type purement personnel. Vous avez compris, c'est aussi de l'émotion, tout ça. Il n'a pas encore parlé. Oui, je vais le laisser parler. D'accord. Je vais le laisser parler. Ne t'inquiète pas. J'en ai profité, oui. Tu as vu ? Oui. Hein ? Voilà. Donc, je voulais dire là-dessus. Non, mais je veux dire après. C'était une question liée simplement à l'idée de... Parce que c'est ça que vous, avec ça que vous avez lancé les choses... de crise ou de quasiment de chronique, puisque est-ce que cette crise est devenue chronique, est-ce qu'on doit penser la crise ou est-ce qu'on doit penser le chronique, et c'est là-dessus que j'avais envie de renvoyer à Grégory sur cette question, lui poser cette nouvelle question: est-ce que finalement c'est une crise, puisque on a débattu longuement depuis 2 jours sur ces questions, et à chaque fois que je lui disais c'est de la crise, il me disait bon, tu parles, en gros tu sais pas ce que c'est que la crise, mais bon, lui, c'est mieux que moi, parce qu'il est venu à Paris pour faire des études. Il ne parle pas français pour rien non plus, hein, pour faire des études à une époque où il y avait une crise en Grèce aussi qui était importante, d'un autre ordre. Je te laisse la parole, Grégory. Merci. Deux mots. Est-ce que vous avez vu un film français qui s'appelle « Le Chevalier Blanc » ? Je l'ai vu en Grèce il y a 3 semaines. Non. Parce que c'est une NGO qui va en Afrique pour sauver des enfants de 0 qui seront transformés en réfugiés et seront adoptés en France. Donc c'est un peu bien. Alors, bon, je vais reprendre le début de mots. Combien de temps, comment on fait ? Il ne faut pas dire ça à un grec, le temps que tu veux, ça sera là demain. Il y a un cocktail après prévu. Ok, il y a un cocktail après, ça il faut le dire. Il faut le dire. Et ça facilite. Donc,
À 8h30, on est attendu pour monter okay. là-haut, boire et continuer à discuter en buvant. Voilà. Okay. Deux choses, je reprends, j'aimerais bien qu'on reprenne dans la discussion. Le discours de crise dont tu as parlé, c'est un discours de manipulation en même temps. Et c'est très grave en ce moment, à mon avis. Et je pourrais vous donner des exemples de ce qui se passe. Et je vais faire un petit historique aussi. Et la perte... De la crise, c'est la perte du jugement, la perte de notre capacité de penser. Et ce qui est plus grave, à mon avis, et ce qui est actuel, très actuel en ce moment, c'est la perte du sens. Qu'il n'y a aucun sens de faire notre travail, d'essayer, qu'il n'y a pas de sens. Je pense que ça, c'est le comble un peu d'une idéologie de la crise qui peut nous affecter profondément. Et moi, ce qui m'inquiète le plus en ce moment, en Grèce, mais pas seulement pour la Grèce, en général, mais en Grèce, ça m'inquiète beaucoup, c'est ce phénomène de perte de sens, qui n'a plus de sens. On est foutu. Il n'y a rien à faire. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'on pourra faire? Avoir un peu de touristes, devenir des garçons pour le reste de l'Europe. Ça, c'est le côté optimiste de choses. Donc, c'est ce type de discours où on ne peut rien faire pour les enfants. Il faut tout laisser aux autres. Dans les services publics, on ne peut rien faire. Il n'y aura pas de services publics d'ici peu. Donc, on laisse aux NGO, on laisse ça, ce type de choses. Je dis ça parce que... pour plusieurs raisons, mais... En ce qui me concerne, j'ai toujours travaillé dans le système de services publics, disons, comme de psychiatre. Même à l'université, la plus grande partie de mon travail, c'était la partie clinique. Et ce qui était enseignement, c'était basé sur le travail clinique. Je ne peux pas concevoir d'enseignement. En psychiatrie et un peu de psychiatrie que je fais de plus en plus sans son intrication avec le travail clinique qui devient un truc théorique. Après ça devient un système taxonomique où on adapte les enfants à notre système. C'est ce qui se passe en ce moment dans le monde, la psychiatrie de l'enfant, la psychiatrie en général et la psychiatrie de l'enfant, malheureusement aussi, est une histoire actuellement où on adapte les enfants à des systèmes abstraits qui n'ont très peu de choses à voir avec les enfants. On adapte plusieurs enfants à des catégories du type spectre autistique, enfants hyperactifs, donc des enfants très différents. On les met dans ces paquets-là. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, mon parcours, vous avez compris, j'ai fait une partie assez longue de mes études de psychiatrie et j'ai travaillé aussi après en France. Et dans le milieu des années 80, je travaille en Grèce. Et au début, dans le système national de santé comme médecin et dans la suite dans le service universitaire où il n'y avait pas, c'était un service de psychiatrie adulte où j'essayais de placer un peu un service d'enfant, ce qui n'était pas très facile de cohabiter dans un grand service de psychiatrie adulte, créer un service d'enfant.
De tout ce travail qui continue jusqu'à aujourd'hui, je vais essayer de parler de certains éléments qui pourraient nous être utiles. Il y a une chose que j'ai dit d'une façon provocatrice dans tous les congrès en Grèce les 6 dernières années. J'ai dit, moi j'ai toujours travaillé dans la crise, donc ça, ce que vous dites là, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Parce que dans tous les congrès en ce moment, tout le monde parle de la crise, mais des effets de la crise sur lui-même, je veux dire sur son salaire, sur son... la crise devient, en dehors d'un discours comme ça sur la crise devient un moyen pour dire on ne peut pas travailler parce qu'on est en crise, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, en ce qui me concerne, pour des raisons, en partie parce que je devais travailler dans un service de psychiatrie adulte, donc je ne pouvais pas avoir beaucoup de moyens parce que tous les moyens étaient bouffés par le reste du service, qui était plus fort. Et donc, pour des raisons pratiques, j'ai toujours travaillé dans une espèce de situation de crise, disons, avec peu de moyens. Mais aussi, j'ai toujours considéré que cette position de travailler dans un service qui accueille des enfants, comme si on vivait dans une situation de crise, est une position éthique par rapport à mon travail. Je pense qu'on ne peut pas s'installer dans un confort, pour le dire, même si on a les moyens. Parce que il y a eu des discours, de pratiques en Grèce les années avant la crise, donc dans les années euphoriques, qui disaient on ne peut pas vraiment travailler, on n'a pas encore les moyens, on n'aura jamais les moyens. Il y a toujours quelqu'un qui manque. On n'a pas de psychologue scolaire, donc on va pas. Il y a toujours quelqu'un. Donc, ça, c'était le discours de l'abondance. C'était le discours avant la crise. Donc, une plainte qui demandait encore plus, qui disait on ne peut pas travailler si on n'a pas les conditions nécessaires. Les conditions nécessaires, c'était toujours idéal. On met toujours très haut les conditions nécessaires. Ça nous empêche de répondre. Ça crée des situations pas possibles du type des services qui étaient très bien équipés et qui donnaient des rendez-vous un an plus tard, premier rendez-vous. Okay. En attendant pendant un an pour avoir ta consultation, tu guéris. Tu n'as pas d'autre solution. Donc comme ça, on a eu des résultats. On a eu des résultats, mais positifs. Je suis très... Vous comprenez, j'ai du mal à parler un peu. Je vais expliquer à Laurent. Pour moi, le sujet est un sujet épineux, là. Venir ici et parler de la Grèce. Parce que j'ai une position très critique par rapport... Je suis assez fâché par certains points. Et surtout, je considère que la crise, c'est ce qu'on appelle la crise en Grèce, c'est une histoire d'aveuglement. Donc, l'aveuglement a commencé 10 ans avant. Il y a eu une première phase, et je dirais une première face aussi, de la crise, qui était la face euphorique. La face, il y a une période d'abondance où on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour utiliser cette abondance, disons, pour créer. Donc on a
dépensé, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou on a utilisé beaucoup de moyens pour des raisons, je dirais, personnelles, en quelque sorte. Ce qui fait que tu, on a, à un moment, si quelqu'un regarde la carte un peu sanitaire, disons, il peut trouver 15 services de pointe dans la banlieue d'Athènes, banlieue nord de préférence, et aucune dans toute la Macédoine, aucune. Ça, c'est un problème. Je veux dire, on a mal réglé quelque chose là. Ça, c'était la période d'avant. Et je pense qu'il y a eu donc une période d'aveuglement. J'utilise aveuglement. Il y a un livre de Marc Ferraud, historien, je ne sais pas si vous l'avez vu, lu, qui parle de l'aveuglement de l'histoire. Et ça m'a fait clic quand je l'ai lu. Parce qu'on a, on l'a vécu nous aussi. Et après, il y a eu comme ça une vraie crise qui est arrivée. Et ce qui m'inquiète en ce moment, c'est que devant la vraie crise, on continue à être dans le même type d'aveuglement. Avant, on était aveugle sur le fait qu'il fallait être plus créatif et mieux utiliser les moyens qu'on avait, et ça pourrait conduire à une catastrophe. Et quand la catastrophe est arrivée, il n'y a aucune critique par rapport à nous-mêmes, à ce moment. Il y a une idéologie comme ça qui a ses bases. Il y a un problème général de crise dans tout le monde, et on est un peu exploité ou on est un peu persécuté, etc. Et ce qui est vrai, en partie, mais ça n'explique rien, parce que même si on est persécuté, il faut faire le mieux qu'on peut faire pour ne plus l'être. Il y a quelque chose qui nous appartient dans cette histoire-là. Et donc, pour revenir en vitesse, l'histoire dont je voulais parler, donc, même à la période d'avant, je dirais même dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler en Grèce, il y avait un groupe de gens dont je faisais partie qui ont essayé de développer des formes de travail qui avaient beaucoup à faire avec la collaboration, la coopération. La coopération entre institutions avec les actions complémentaires, ce type de travail, et pas avec le confort d'être assis sur ton service et le développement de ton service. Donc on a beaucoup travaillé avec les institutions de protection de l'enfance. Et pendant une longue période, on a créé un réseau de coopération. Ça a commencé début des années 90. Ça a commencé avant avec l'institution dont Eglia parlait. Et je vous dirai comment, parce que ça va le faire dans l'histoire. Et ça s'est développé avec toutes les institutions et tous les services sociaux, les services de protection de l'enfance qui s'occupaient des enfants dans la ville de Salonique. Ça a commencé, l'exemple est assez intéressant, ça a commencé avec un enfant qui était abandonné, mais il avait grandi, il avait 5 ans à l'époque, mais il était abandonné dans cette institution pour enfants abandonnés, et il avait grandi parce que personne n'en voulait. En même temps, cet enfant était sourd, et il avait des troubles du comportement, il devenait agressif, impulsif, etc. Et il avait peut-être, mais c'est difficile à comprendre, mais il avait peut-être un petit retard intellectuel. Donc, même s'il n'avait pas le retard intellectuel,
je dirais que tout le monde fantasmait qu'il avait un retard intellectuel, c'est peut-être parfois plus grave que dans les autres fantasmes. Donc, cet enfant, quand il avait 5 ans, l'institution qui le gardait, comme enfant abandonné, a voulu le placer ailleurs, parce qu'il avait dépassé la limite d'âge. Et il a essayé de le placer dans une institution pour enfants sourds. Mais l'institution pour enfants sourds a dit « Non, c'est un enfant qui a des troubles du comportement, ce n'est pas un enfant sourd. » Comment on définit cet enfant? Et donc on l'adresse à une institution qui s'occupe d'enfants à troubles de comportement. Tout ça, c'était des institutions plein temps. Les enfants étaient internés. Dont je parle à l'époque, il y avait beaucoup encore en Grèce. Et l'autre institution a dit non, notre institution ne reçoit pas des enfants sourds, par exemple. Donc ça commençait un truc comme ça, où l'une institution attaquait l'autre, essayait de placer, l'autre n'acceptait pas, etc. Et il y a eu un administratif à l'époque. Moi-même, j'acceptais très bien son idée, qui a eu l'idée de dire pourquoi toutes ces institutions-là ne se rencontrent pas pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, d'un coup, miracle, toute cette histoire qui traînait depuis un an presque, avec des papiers administratifs qui partaient, avec des fax, avec des courriers, l'une institution contre l'autre, avec des arguments pas possibles, etc., s'est transformé en une réunion où, petit à petit, l'idée principale était est-ce qu'on peut créer un projet commun pour cet enfant? Et là, tu vois, la situation s'est transformée complètement. Et il y a eu on a beaucoup travaillé sur ce projet, c'était assez intéressant parce qu'il y a une institution qui n'a pas pris l'enfant, mais qui a payé quelqu'un qui ferait des cours pour cet enfant. Donc chaque institution a mis un peu du sien. Comme ça, il y a eu un projet commun. Et ça, c'était la première fois qu'il y a eu ce type de rencontre. Et à partir de là, il y a une deuxième ou troisième occasion aussi. Je vais vous parler de la deuxième occasion, qui est aussi très intéressante. C'était une demande dans notre service. Comme moi, je m'occupais beaucoup d'institutions pour enfants, j'avais une petite réputation comme ça, le type qui est bon avec les assistants sociaux. C'était intéressant. Qui est gentil avec les assistants sociaux. Donc, il y a eu un service social qui avait pris un programme qui est un programme européen pour 4 enfants ou 2 enfants, je ne sais pas, qui seraient en famille d'accueil. C'était des enfants qui devaient être adoptés par ces familles d'accueil, mais le programme, comme il se présentait, c'était un programme d'accompagnement d'enfants en famille d'accueil. Et je dis programme parce que c'était un vrai programme où il y avait des directives. Une directive, c'était consulter un service pédopsychiatrique, etc. Et donc, elles sont venues. J'ai rencontré les 2 enfants, 2 frères. J'apprends un peu l'histoire de la famille. Et ils me disent qu'il y a encore d'autres enfants. Mais ce service-là ne connaît pas où sont les autres enfants. C'est une famille où il y avait plusieurs enfants, je ne vous dirai pas pourquoi je ne dis pas le nombre tout de suite. La mère meurt d'un accident de santé, mais subitement. Et il y a un père handicapé qui ne peut pas s'occuper des enfants. Il y a plusieurs services sociaux qui prennent les enfants. Chaque service prend 1, 2, 3 enfants, etc. Donc, j'ai commencé à poser la question, je leur ai proposé d'essayer de trouver tous les autres services, s'occuper des autres enfants,
et voir un peu tous ensemble, voir un peu qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enfants-là et qu'est-ce qu'ils font les autres services. Vous comprenez que dans ces enfants, il y avait des enfants assez grands qui savaient qu'ils avaient d'autres enfants, qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Donc ça, c'était le deuxième pas pour créer une rencontre. On avait une rencontre avec 4 ou 5 services au début. On a travaillé pendant un an avec ces enfants. Et on pensait que c'était 8 enfants. Et un an après, on a compris qu'on parlait de 9 enfants. Pour vous donner une idée un peu du fonctionnement des services. Aucun service ne connaissait le nombre exact des enfants. Quand tous les services se sont mis ensemble, on a calculé 8 enfants. Et un an plus tard, on a mieux calculé, c'était 9 enfants. Il y avait un enfant qui avait disparu, le plus petit, qui était adopté avant que les autres services arrivent. Donc, comme ça, on a créé cette rencontre tous les mois. Ça a commencé comme ça. L'idée était très simple. On allait se rencontrer pour parler des enfants et des familles qui étaient pris en charge par plusieurs services. Et ces services-là ne communiquaient jamais entre elles. Donc, le système social lui-même crée une espèce de morcellement, d'isolement comme ça, des histoires familiales, des histoires familiales. Ces enfants-là étaient chaque enfant avec son service. Il y avait des cas extrêmes, 2 assistantes sociales qui travaillaient dans le même bureau, qui ont appris qu'elles s'occupaient des enfants de la même famille dans la rencontre générale qu'on avait faite. En parlant, chacune a parlé de son enfant, et là, ils ont dit, mais on parle de la même famille. Et ça, ça continue toujours, mais ça a eu beaucoup de hauts et de bas. C'est plutôt, je vous donne ça comme un exemple d'un travail qui est un travail complémentaire, qui ne demande pas un effort. Normalement, c'était une rencontre, et c'est toujours une rencontre le premier mercredi de chaque mois. Entre les rencontres, on peut avoir d'autres rencontres s'il faut, pour s'il y a de problèmes avec les enfants. Et grâce à ce travail, on a pu constituer, on a pu créer des projets cohérents pour des enfants et des familles qui étaient un tout, qu'on ne pouvait pas couper comme ça en morceaux. Je dirais que ce qui est important dans ce travail, pour revenir un peu à ce type de travail, c'est un travail qui n'a pas d'idéal. On ne dit pas, pour faire ce travail-là, il faut avoir je ne sais pas quoi. On a un problème, on définit le problème, on doit se rencontrer quand nous nous occupons d'enfants et de familles. Plusieurs services s'occupent des enfants de la même famille. C'est ça l'idée de base. Donc on se rencontre, et dans cette rencontre, l'essentiel, c'est qu'on peut comprendre ce qui manque. Cette discussion, dans ce type de discussion, on trouve toujours celui qui manque. Je vous ai parlé de cette famille. Tous les services sociaux pensaient qu'on parlait de 8 enfants et il y avait un enfant qui manquait, par exemple. Ou on parle d'une famille qui ne peut pas s'occuper de ses enfants, qui est des familles en crise, disons, et en parlant tous ensemble,
et en essayant de trouver un peu de solution, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui pourrait être utile et qui manque dans la discussion. Il y a des questions très simples. Ces enfants-là n'ont pas d'autres familles, quelqu'un demande. Et il y a un instant social qui dit, mais oui, je connais une tante qui pourrait peut-être s'occuper, on va la voir, etc. Donc, ces deux aspects-là, un travail qui essaye de mettre le doigt sur ce qui manque, et un travail qui ne cherche pas l'idéalisation, ne doit pas se faire dans des conditions idéales. À mon avis, c'est ce type de travail qui est un travail, comme je défini au début, un travail sur la crise et un travail dans des conditions de crise. Ce travail-là, c'est fait dans des périodes avant la crise. Et ça continue d'une façon différente. Ce travail-là s'est cassé en grande partie parce que quand je parle d'idéalisation ou de bureaucratisation, parce que la tendance de la danse, c'est une tendance de routine et de bureaucratisation dans tout ce type de rencontres. Par exemple, une des questions qui est apparue dès le début et qui est revenue tout le temps, et sur laquelle moi j'étais je me suis opposé comme ça fortement, c'était nous sommes une institution ou pas? Les gens qui décident, qui travaillent dans le public, dans le social, et qui décident de se rencontrer avec des règles, une fois par mois, eux-mêmes, pour résoudre des problèmes, se posent la question s'ils sont une institution ou pas. Ça veut dire, est-ce que nous-mêmes, par notre volonté et par nos capacités à nous, pouvons devenir une institution ou est-ce que nous devons être pris en charge par l'État, par je ne sais pas quoi, pour être une institution, par un programme, je ne sais pas si je suis clair, c'est très crucial à mon avis. Et moi je disais, je dis encore, nous sommes une institution, nous sommes une grande institution, nous sommes une vraie institution. Et j'espère que nous ne deviendrons jamais un programme. Parce que, qu'est-ce qui est une des raisons qui a détruit des initiatives de ce type? C'était, et je parle toujours il y a 10 ans, je ne parle pas pour maintenant, ça continue, mais ça n'a pas commencé avec la crise, ça a commencé beaucoup plus avant, à une période où il n'y avait aucune raison que ça se passe comme ça. Il y a eu plusieurs phénomènes. Un premier phénomène, c'était la fermeture des services sociaux. On ferme tout ce qui existe comme service social parce que ce sont du passé, ce sont de vieux trucs, sont liés à la guerre civile, je sais pas, tout ce que vous voulez. Mais qui étaient des services qui faisaient un travail quand même. On ferme tout ça pour moderniser, on va faire une institution unique, centralisée, qui va s'occuper de tout ça. Donc on ferme tout ce qui existe. Voilà l'idéalisation maintenant, l'idéal. On ferme tout ce qui existe pour faire mieux. On crée dans les papiers l'organisme qui va faire mieux. Cet organisme-là ne fonctionne jamais et on n'a plus de service social. Qu'est-ce qu'on a à sa place? En même temps, on a des activistes universitaires ou autres qui se lancent dans des programmes européens pour
faire, organiser de, pour avoir des subventions. Et de ces subventions, avec ces subventions, surtout, créer des stages pour les étudiants et des curriculum vitae. Surtout. Pour avoir ces programmes-là, la première chose qu'il fallait dire, c'était qu'il n'y a pas, parce que tous ces programmes-là, c'était sur les coopérations. Alors, cette demande pour ces programmes-là commençait toujours, il n'y a aucune culture de coopération en Grèce. Donc, il faut avoir des programmes pour créer une culture de coopération. Ça, au moment où, dans notre groupe, on avait une trentaine de services sociaux de toute la ville qui se regroupaient tous les mois, etc. Et le comble, il y a une dame qui s'occupait, qui a pris, qui voulait avoir ce travail, ce programme-là, qui est venue me voir pour participer à ce travail comme quelqu'un qui allait déclarer qu'il n'y a pas aucune coopération, faire partie de ce programme, au même moment où j'organisais toute cette coopération. Pour avoir une idée un peu de ça. Donc, ça c'est, donc il y a eu tout un, comment dire, tout un académisme néolibéral, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qui s'est lancé dans ce truc en disant des mensonges, en créant une réalité qui n'existe pas, au moment où cette réalité existait au maximum. Ça, c'est une chose. Et qui ont réussi. Tout ça sur le vide créé par la fermeture, comme je dis. Et ce n'était pas une fermeture annuelle, c'était une fermeture. Pour le bon. De services sociaux. Et en même temps, un développement des associations, sociétés, NGO ou tout ce que vous voulez, un développement extrême de plus en plus, qui lançait des discours de manipulation, des discours de crise, des discours à pleurer, et des discours dangereux même. La plus grosse, la plus forte en ce moment est très dangereuse, est une association opaque qui prend des enfants, tu ne sais pas où ils vont, je voulais dire comme ça, et qui est soutenu par l'État grec en ce moment, soutenu par des gouvernements de droite, de gauche, de demi-gauche, d'extrême gauche, de tous ces gouvernements, ils ont tous soutenu ça pour combler un peu le vide créé par l'absence de services sociaux. De ce système de solution. Et un autre phénomène, et je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup à dire, mais un autre phénomène très dangereux sur ce paysage-là, l'effondrement des services sociaux et la difficulté après de faire quoi que ce soit, par exemple, parce que la crise aggrave l'assistance sociale avec qui j'ai travaillé pendant des années à l'hôpital, qui était très, très bon, très costaud dans son travail, prend sa retraite, personne n'est remplacé maintenant. Tu prends la retraite, le poste disparaît. On est sans. Donc, mais le phénomène très dangereux, on n'a pas de juges d'enfants en Grèce, on a des procureurs d'enfants. Et, ça, et on a encore des procureurs d'enfants, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi des procureurs d'enfants? Parce que je pense que dans la tête de dirigeants d'il y a longtemps, l'enfance, c'était l'adolescence. L'adolescence, le seul truc qui nous concerne avec les adolescents, c'est qu'ils soient délinquants, bien délinquants. Donc, il nous faut des procureurs. Simple. Maintenant, ce qu'on appelle les procureurs d'enfants font tout. De bébés, de adolescents, de divorces, ils ne sont pas formés, ils sont sous une pression et ils doivent faire un travail d'assistante sociale.
ils ne savent pas très bien s'ils sont juges ou assistants sociaux. Du coup, devant tous les problèmes, toutes les plaintes de la société, tous les moindres problèmes qui peuvent exister, ils font des placements d'urgence. Et ils sont très manipulés par des organismes comme le sourire de l'enfant. C'est l'organisme dont j'ai parlé tout à l'heure, le grand organisme opaque nourri par l'État. Ils sont manipulés, peuvent très bien être manipulés par des organismes comme ça pour faire des placements d'enfants abusifs. Les placements d'enfants ont augmenté dans les hôpitaux. Ils sont placés en pédiatrie, en pédopsychiatrie et après dans les institutions. Et parfois, placés d'urgence, là ça s'est calmé un peu, mais les dernières années c'était une catastrophe. Des enfants qui sont placés comme ça dans des services pédiatriques par les juges ou dans des services pédopsychiatriques parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et soit on a le temps de courir et d'arranger la situation, soit on ne l'a pas. Et dans la suite, ces enfants-là peuvent partir pour des institutions sans être accompagné correctement. Beaucoup de ces enfants, je pense, je connais des enfants qui se sont évadés à l'âge de 6 ans du service de pédiatrie, qui sont placés en pédiatrie comme ça en urgence. C'est une petite gitane de 6 ans qui connaît la ville mieux que tous les juges de Salonique. Le soir, elle part. Elle va près de la gare, elle n'a besoin ni de moyens de transport, ni rien, elle connaît les rues. Voilà. Donc ça, c'est un grand problème et ça crée des situations peut-être qui peuvent être reprises par la presse et augmentées comme ça. Voilà. Bon, je vous ai donné une... J'ai essayé de vous donner une petite idée. Je m'arrête là pour avoir un peu de discussion. Merci. Merci infiniment, Grégory. Merci, Aiglé, encore. Bon, je ne vais pas monopoliser le micro. Je vais, puisque tout le monde a entendu maintenant que le cocktail était à 20h30 au-dessus. On continuera à parler, bien sûr, mais ce sera plus compliqué parce qu'on aura la bouche pleine. Donc, il faut lancer le débat tout de suite avec la salle. C'est compliqué, hein ? La perte de sens. Alors, est-ce qu'il reste du sens dans cette salle ? Rama et puis Stéphane. Marche là. Bonjour, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé la question qui commence à se poser sur le fait de l'adoption à l'étranger dès qu'il y a une période de crise. Et je me posais la question si vous aviez pensé à, ou si en Grèce il y a une pensée qui serait au contraire de se dire bah, ces enfants doivent rester au pays, et que l'idée que, pas nécessairement en Grèce, mais dans tous les pays en crise, que ça doit aboutir à l'éloignement des enfants, ce qui, par ailleurs, résout un problème, comme vous avez dit, pour des pays plus riches qui n'arrivent pas à trouver des enfants à adopter. Donc, en fait, c'est une aide qui est en fait un peu déguisée en même temps, qui arrange des personnes. Et donc, on pourrait peut-être se poser la question, moi je me suis souvent posé la question, si en fait c'était une réponse un peu perverse. Et ce serait intéressant de se dire, bah, ces enfants, on peut les aider à rester au pays et non pas à partir. Bien sûr, c'est la question. Le problème avec l'adoption internationale, j'ai l'impression que ça a à faire avec le fait que les enfants sont d'abord exposés avant d'être
renvoyés ou envoyés ou adoptés en dehors du pays. Ça veut dire qu'il paraît que l'adoption internationale pose ses lois à des populations et à des cas extrêmement différents. Et les lois de l'adoption internationale, malheureusement, pour la plupart des cas, c'est plutôt vers la construction des enfants ahistoriques. L'enfant idéal pour l'adoption internationale, c'est vraiment un enfant qui tombe du ciel. Ce n'est pas la peine de procéder comme il faut ou comme on fait dans nos pays respectifs. Comment on prépare une adoption, comment on travaille avec les parents qui vont céder leur enfant, etc. Il y a quand même des pratiques qui découlent de ce besoin d'avoir un bébé ou un petit enfant qui est à nous entièrement. Et la seule façon de le faire, c'est vraiment de l'importer d'un pays que vraiment c'est... Et ça, se pose problème. Maintenant, autour du monde, il y a des enfants, des Coréens, des Chinois, les enfants du tiers-monde qui commencent, heureusement, de procéder, ils essayent de retrouver leurs parents. Et j'imagine que c'est eux qui vont formuler et reformuler les lois de l'adoption internationale. Bien sûr que l'adoption internationale, c'est une adoption qui ne peut pas cesser. Parfois, c'est vraiment... ça couvre des besoins très, très importants de deux côtés, bien sûr. Mais quand même, il faut redéfinir, je pense, les façons et les... Parce que maintenant, il y a bien sûr d'autres moyens de penser aux enfants, le respect de l'enfant, le respect les droits de l'enfant, etc. Donc je pense que c'est en mouvement toute cette... Je veux dire, la Grèce, en dehors de la période après la guerre civile, où elle a lancé un peu l'histoire d'adoption internationale, la Grèce n'exporte pas des enfants. La Grèce garde ses enfants. S'il y a une idée maintenant qu'un enfant part de la Grèce, c'est un enfant handicapé qu'aucun Grec ne prendrait et qu'on donnerait à un Grec de l'étranger, de préférence suédois, qui a de la culture, donc qui reste entre Grecs. Et il n'y a pas de... Par contre, la Grèce adopte des enfants de Bulgarie, Roumanie, etc. Beaucoup. Et là, nous avons des histoires cliniques. Bon, on ne va pas entrer dans ce sujet parce que la façon dont ces adoptions se font parfois, etc., est très difficile. Ou des adoptions où ça se fait d'une telle façon qu'il n'y a pas d'histoire, c'est ça. Et qui sont presque comme des vols, ou qui peuvent être imaginés comme des vols par les enfants. Oui, merci beaucoup. J'ai été très très intéressé par votre historique où, avant l'arrivée de cette fameuse crise, vous y voyez déjà des prémices comme si finalement vous méritiez. Si je suis, et en prenant un exemple qui était l'enfant, mais finalement on peut le transposer à beaucoup d'autres services. Alors c'est vrai que l'enfant c'est excessivement symbolique, un pays qui ne prend pas en charge ou qui prend mal en charge l'adoption des enfants, qui est le futur de son pays, nous interpelle. L'image que vous donnez, moi, m'a profondément marqué, puisque vous décrivez finalement un pays avec de multiples établissements qui ont un rôle de s'occuper d'enfants, mais qui, on a l'impression qu'ils fonctionnent en autarcie, centrés sur eux-mêmes, puisqu'ils doivent exister, puisqu'il faut qu'ils survivent dans un milieu, mais qu'ils ne réalisent pas qu'ils devraient fonctionner dans un sens commun vers une nation commune qui doit s'occuper sur un plan
générale de l'avenir de ces enfants qui n'ont pas de parents ou qui sont... Et finalement, c'est évidemment cette perte de sens qui fait que finalement, au quotidien, dans notre travail, on ne réalise pas à un échelon supérieur l'utilité de son travail. C'est-à-dire que moi, finalement, je suis une assistante sociale, je m'occupe d'enfants, mais je ne cherche pas, par exemple, à m'associer à un autre centre, je ne cherche pas, ou je n'ai pas la culture d'une organisation plus transversale, puisque je n'ai pas de sens. Mon seul sens reste autour de moi, entre mon bureau, ma maison, mon travail, et finalement, on n'est finalement qu'une multitude de petit établissement qui travaille en autarcie sans aucune fonctionnement plus général. Mais si on prend cet exemple-là, c'est un exemple, finalement, ça, on peut le décliner dans tous les autres aspects de la vie sociale et économique de la Grèce. Et alors pourquoi finalement, dès l'avant la crise, il y avait cette perte finalement de sens commun, d'idées, de nations. Pourquoi il y a cette perte de confiance et de vision d'un bateau où on va tous dans la même direction. Moi, je sais que en France, j'ai cette notion de sens commun. Je sais pourquoi je travaille, mais je sais que je vois toute mon intégration. Je ne suis pas seul, isolé, en autarcie. Et l'image que vous m'avez donnée est une image très symbolique sur l'enfant, mais finalement, on peut la décliner à tous les niveaux. Tout à fait. Alors, pourquoi Tu as 4 heures. Non, non. Comme je n'ai pas 4 heures, je ne sais pas si je peux répondre. Mais on peut dire deux, trois mots. Comme on a parlé des bateaux, c'est très bien pour la Grèce parce qu'un des grands financeurs en ce moment de projet, c'est la fondation Niarchos. Niarchos est le grand armateur avec Onassis, les deux grands. Donc ces gens-là ont créé des fondations pour aider la Grèce. Et, bon, la fondation, cette fondation-là donne de l'argent là où il y a l'argent. Je veux dire, c'est très, très intéressant de voir comment l'argent part. Là où l'État donne l'argent, parce que l'État, quand même, l'État grec, c'est un État très centralisé. L'État grec, c'est Athènes. Athènes. Un peu de Salonique pour faire un peu exotique, pour faire un peu... Et c'est ça. Quand j'ai dit tout à l'heure, il y a eu tout un programme, tout un travail en commission, vous ne pouvez pas imaginer le travail qui a été fait pour créer l'équivalent d'une sectorisation psychiatrique, comme en France. Donc, des textes parfaits, etc. Personne ne s'est occupé de créer les services. Ou, quand je dis que dans toute la Macédoine, en ce moment, la Macédoine grecque, quand je dis Macédoine, pour nous, Macédoine, c'est... Pour un grec, Macédoine, c'est la partie de la Grèce du Nord. Hein, bon, comprenez. Voilà. Bien. Et la Macédoine occidentale, il n'y avait aucun service de psychiatrie, pas de psychiatrie, de quoi que ce soit de l'enfant. Je veux dire. Pas de pédiatrique, mais psychologique. L'enfant. Rien. Et en même temps, et d'autres régions comme ça, en même temps, on peut trouver plusieurs services super développés, mieux qu'en France, mieux qu'à Paris. Dans le même... le service qui a... un personnel de 200 salariés qui est universitaire, donc il y a 200 stagiaires en plus,
reçoit les 5 subventions de la Fondation Niarchos. Et tu entends, parce que tu entends des trucs à ne rien comprendre, les gens qui ont pris la subvention, qui font un programme pour bébés, par exemple, ils disent, heureusement qu'on a pris ça, parce que dans cet hôpital, comme ça, les bébés sont entrés. Alors, le plus grand hôpital de Grèce, d'enfants, ne recevait pas de... Tu entends ça, tu ne comprends plus rien. Là, c'est des signes dont je parlais avant. Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'il n'y a pas une logique... je ne sais pas si je peux vraiment l'analyser, parce que la Grèce, en ce moment, personnellement, ça me dépasse. Je ne comprends pas grand-chose. Donc, quand je ne comprends, je dis, je vais faire mon travail et on verra. Oui, mais est-ce moi, je vais essayer quand même de discuter ça. J'ai l'impression qu'il n'y avait jamais eu une volonté politique à réunir et surtout à contrôler et parfois à payer le prix de ce contrôle des établissements de nature différente. Nous avons bien sûr des établissements publics, nous avons des établissements privés, nous avons des établissements ecclésiastiques, nous avons des établissements municipaux qui sont impossibles à gérer si on n'a pas vraiment une volonté politique, mais vraiment. Tu vois, quelqu'un qui décide de payer le prix pour ça, de fermer quelques-uns, de dire à l'église, écoute, ça c'est pas un établissement pour enfants, tu fermes maintenant. Aujourd'hui, tu te demandes quelqu'un qui veut faire, par exemple, de la recherche ou qui veut toucher un petit peu les établissements ecclésiastiques et c'est pas possible. On te dit non, pas ça. On parle pas de ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça maintenant dans l'Europe du 21e siècle? Personne n'a pas voulu payer le prix. Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe, que je pense que c'est très sérieux. Au niveau européen, il y a une tendance. Le slogan maintenant, c'est fermer les établissements pour enfants. Fermer, mais complètement. Les enfants doivent être pris en charge, surtout par des familles. Donc, d'être placés dans des familles où c'est la municipalité, ce sont les municipalités qui doivent prendre charge des enfants qui proviennent d'elle. Alors, une Europe sans établissement pour enfants, donc ça va être quoi, justement? Comment on peut gérer un phénomène de circulation d'enfants, parce qu'en termes anthropologiques, ça revient à ça, sans avoir des établissements qui seront responsables pour les enfants? Responsables, bien sûr, il y a des moyens de faire face aux crises aiguës ou chroniques ou assurer une vie normale pour ces enfants-là, sont les établissements, sont les institutions. C'est très, très dangereux. On économise beaucoup et on sait bien qu'en Europe, je pense que le problème, c'est comment économiser, faire des économies. Je pense que là, nous aurons un problème... Peut-être juste un point, une question que je pose toujours aux étudiants quand je fais les comparaisons européennes ou plus larges sur les questions de santé, qui va dans le sens de la question posée par Grégory, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui pose problème, ou justement ce qui ne manque pas. Quel est le pays de l'OCDE qui a la plus forte densité médicale et de loin? La Grèce. Je vous jure que c'est vrai. Hein, je vous le prouverai avec tous les tableaux qu'il faut. Je m'en sers dans le cours de troisième année. La Grèce est le pays qui, de très loin, a la plus forte densité médicale des pays de l'OCDE. L'OCDE, c'est tous les pays les plus riches de la planète. Parce qu'il y a une programmation. Alors évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, en tout cas, ça tend à montrer que l'idée que c'est pas ce qui manque ça que ça ne pourrait pas fonctionner, en tout cas, sur ce plan-là, ça ne veut pas dire que c'est partout comme ça. Ah, ça va dans ton sens. Pardon, Fatia, je t'ai... Oui, excusez-moi. Oui, alors moi j'ai deux ou trois petites questions, mais aussi, je ne sais pas, une petite remarque, et peut-être aussi parler de la situation en France, parce que bon, la crise, elle nous touche aussi, et elle touche
la pédopsychiatrie. C'est pas la crise économique, c'est une crise idéologique. Donc, tout à l'heure, quand vous avez parlé de, quand vous avez commencé à organiser autour de vous, enfin, de la pédopsychiatrie, les institutions, essayer de mettre en lien les uns avec les autres, hein, et d'essayer de constituer un réseau ou un collectif pour pouvoir parler des enfants, hein, pour ne pas les morceler justement. Et vous vous êtes posé la question, est-ce que nous sommes une institution ou pas ? Et dans le même temps, vous répondez effectivement que c'est véritablement une institution. Parce que qu'est-ce qu'une institution ? Si ce n'est quelque chose qu'on institue. Donc ça ne vient pas de l'extérieur. Et donc, moi, ce qu'on vit en France, par exemple, la question des réseaux, la question du lien avec les services sociaux, justement. On a pas mal de services sociaux, hein, on n'est pas à plaindre, on a quand même beaucoup beaucoup de moyens, mais reste toujours cette question du lien, de comment réunir un ensemble de professionnels pour parler d'un enfant, d'une situation familiale critique, etc. C'est pas évident, hein, c'est vraiment je travaille en pédopsychiatrie, donc je suis clinicienne. Et moi, avec mes collègues, hein, on est une petite équipe d'un hôpital de jour, on se bat au quotidien pour nous mettre en contact avec d'autres professionnels. C'est pas évident, c'est pas naturel. Il y a une culture du réseau, du collectif en France, mais concrètement sur le terrain, il faut vraiment se battre, il faut y aller, il faut mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir rencontrer les professionnels et parler des enfants. Alors moi, ma question, c'est alors comment des soignants en pédopsychiatrie travaillant dans des conditions, comme vous l'avez bien dit aussi, hein, vous travaillez toujours en crise, comment ils travaillent ? Est-ce que la crise fait émerger chez eux une certaine créativité c'est vrai que là où je travaille, notre service, il est toujours depuis de très très nombreuses années excédentaire par rapport aux autres services, ce qu'on appelle le MCO, c'est ça, hein, je suis à la fac de médecine. Donc la psychiatrie, donc il y a des psychiatres et des pédopsychiatres dans la salle, oui. Pas seulement grecs. Oui, oui. Parce qu'au final, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. C'est pour une psychiatrie humaniste, on bricole avec des petites choses, de rien du tout, avec peu de moyens, on arrive à travailler et à être créatif et désirant vraiment, quoi. Voilà. Donc c'est... Alors, sans vouloir anticiper, mais bon, c'est vrai qu'il est 8h30, donc je vais donner 4 heures à Grégoris pour répondre sur cette question encore. Mais on fera, bien sûr, on va continuer à discuter là-haut. Je ne ferme pas le débat. Hein. Simplement dire que dans le courant de l'année 2016-2017, on fera un forum, je pense, sur y a-t-il un sens à la pédopsychiatrie aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Je regarde ceux qui sont plus directement concernés parce que ça s'avère absolument nécessaire. Puis il y a plein de choses qui se passent en ce moment qu'il faut traiter. On réinvitera Grégoris peut-être et d'autres là-dessus. C'est pas du tout pour couper le débat. Je voudrais quand même qu'avant qu'on monte là-haut et on continuera à débattre, mais peut-être qu'on dise deux mots des réfugiés. En fait, est-ce que le fait de ce nombre extrêmement important de réfugiés qui se retrouvent, d'abord qui sont passés, premier temps, et puis qui aujourd'hui sont en partie bloqués en Grèce, quand même, qu'est-ce qu'au quotidien ça change ? D'abord, est-ce que ça se voit ? Puisqu'en France, c'est un pays dans lequel on entend tout le temps, on entend nos dirigeants dire « attention, les réfugiés, tout ça ». Quelqu'un a vu un réfugié syrien ? Quelqu'un en a vu un ? Vous en avez vu à Montpellier ? Non, il n'y en a pas. De toute façon, ils ne veulent pas venir. Mais en France. Mais par contre, on en parle beaucoup. Mais ce n'est pas une réalité concrète, effective, dans la situation française. Moi, j'en connais un médecin syrien qu'on a eu l'année dernière. C'est le seul. C'est le seul. Je vous rappelle, comme ça, à titre purement historique, que
quelques, puisque là on parle de frontières qui sont très proches de Thessalonique, mais il faut aller voir un musée qui est quand même génial à 200 km d'ici, c'est le musée de la Retirada à la Jonquière, qui est le musée qui marque l'histoire de ce moment dans lequel 500 000 Espagnols dans une France qui était un tiers moins peuplée qu'aujourd'hui sont passés en France. Ils n'ont pas été que bien accueillis, hein. Il y a eu les camps, il y a eu tout ça, il y en a ici qui sont issus de ça. Mais ça a existé, ça peut exister quand même. Voilà. Et en Grèce, cette question-là, elle est évidemment posée. Donc, on ne va pas traiter la question, ce n'est pas le but. Mais peut-être nous dire quelques mots sur, dans la vie d'aujourd'hui, en Grèce et en Grèce du Nord, à Thessalonique, qu'est-ce qu'il y a de palpable ? Je peux ? Oui, vas-y, vas-y. Ça fait déjà un an, même plus d'un an, qu'un million de réfugiés ont passé à travers la Grèce. Et ils sont arrivés en Grèce dans des conditions extrêmes. Traverser la mer Égée, arriver en nageant, je n'ai jamais compris pourquoi, encore aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi ces gens doivent se noyer avant de trouver le salut. Je ne comprends pas. Au lieu de prendre un bateau de Turquie et passer au Pirée, et puis prendre le train pour aller... Ça, j'ai vraiment... Pourquoi il faut nager pour arriver à l'Europe? Je ne comprends pas. Il y avait, je ne sais pas, plus de 1000 personnes qui ont perdu leur vie. Beaucoup plus, mais je parle de la mer Égée, hein, de cette année-là. Donc, en Grèce, il y a une énorme mobilisation. Non seulement, et je parle des populations locales des îles, ce qui est très important, et qui a duré, et qui dure encore. Maintenant, c'est apaisé un petit peu, mais il y avait quand même une mobilisation quotidienne. Des gens de tout âge, de jeunes, de vieux, des enfants, etc., qui étaient là pour aider, pour... cuisiner, etc., etc. Donc des solidarités qui ont en fait fleuri en Grèce, à Athènes aussi, à Salonique aussi. Maintenant, avec les gens qui sont bloqués à Evomène et qui a tout un on sait qu'en ce moment il y a 50 000 réfugiés en Grèce, bloqués en Grèce. Bien que on peut dire que les Grecs sont exténués, parce que ça fait très longtemps qu'on essaye de faire face à ça. Et bien sûr qu'il y a des NGO qui arrivent de partout le monde, etc. Il y a quand même une volonté de continuer à accueillir ou à aider la situation. Et de l'autre côté, si on pense qu'est-ce qui s'est passé en Grèce depuis les années 90, on a quand même accueilli plus d'un million d'étrangers, des migrants économique, des Albanais surtout, et puis des ressortissants de l'ex-Union soviétique. Un million et quelques des gens qui étaient accueillis finalement et font partie de la société grecque en ce moment. Donc, ce n'est pas vraiment ce petit nombre de 50 000 personnes, c'est rien en fait. Mais il faut absolument qu'il soit une politique pour ça. Les camps de réfugiés, c'est vraiment inhumain, comme nous savons très bien. Ces gens ont déjà vécu dans la boue pendant plusieurs mois, en attendant de pouvoir passer en Europe. Je pense que, moi j'ai l'impression que l'arrivée des réfugiés en Grèce, pendant la crise, nous a fait du bien. Ça a été vraiment un blessing, en anglais. Parce que ça nous permet de comprendre que malgré la crise, malgré l'effondrement de l'économie, malgré le fait qu'il y a des familles qui vivent avec une retraite. Oui. Malgré tout ça, quand même, on peut faire quelque chose pour ces gens-là. Et on l'a fait, on le fait tous les jours. Donc, je pense que c'est vraiment une... Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en même temps... On décrit la société grecque comme une société qui vit dans l'anomie. Mais en même temps, ça fait du bien d'être un peu fier de soi-même
et de vérifier ça à tout moment, et de faire encore, et de tenir le coup. Ça, c'est quelque chose, moi, je pense, et je suis un peu optimiste, que ça va nous aider à sortir de la crise, au moins la crise éthique. Ça, c'est important. Merci. Je vous propose qu'on continue là-haut. Ce n'est pas fini, on va continuer autour d'un verre. Merci infiniment, Aigli. Merci, Grégoire. Nous vous remercions.